Salut à tous, salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle session de campagne avec Pentesilé. On va continuer notre campagne avec les Amazones pour essayer de la finir. Donc je sais pas si on va finir dans cette aujourd'hui, mais on va essayer de bien avancer déjà. Il nous reste encore 3 rasés en ville unique, comme ça on aura déjà fait ça. Et on a 5 colonies de l'objectif. Pour moi ça devrait vite tomber avec ce qui arrive. Mais bon, on va y aller au fur et à mesure déjà. Je vais faire une armurerie ici, tiens. On va renforcer un peu les stats de nos unités. Ce sera déjà une bonne chose de fait pour cette seconde horde. 8 d'attaque par-ci, par-là et un peu d'armure. Ça fera toujours du bien. Donc voilà, je vais juste... alors, point de compétence assigné pour Momonus 007. Ah oui. Et lui, on va faire un puits empoisonné. On a 97% de chance. Momon, c'est l'homme de la situation. Hein. Voilà, il a pris un peu de dégâts. Que fait Argos? Ça c'est la question. Ah. Salut Scotch, comment tu... Scotch, excuse-moi, comment tu vas? Bienvenue. Donc on est dans une... on continue la campagne après notre victoire homérique. On tente de faire la victoire Total War. Donc là on est en train d'assiéger les Troyens. Après on devra pourrir notre antagoniste Argos que tu vois ici à Caristos. Une vraie horreur, hein. Je veux dire ça, je dis rien. On est en guerre contre pas mal de gens, mais ça va. Ah, Aenos est uni contre nous. Oh. On a tenté des trucs sur nous. Alors là, je vois qu'il y a un agent perturbateur. Momonus 007. Rejoindre ton chat, c'est pire que Scott. Alors, je sais pas comment je dois le prendre, mais bon. Avec ce qui s'est passé sur Twitch dernièrement, j'ai un petit peu voulu renforcer, si tu vois ce que je veux dire, la sécurité. J'espère que tu comprends l'intention. Ah, elle a la saille. On peut améliorer notre unité de cohorte en infanterie à la brise. 4 unités à l'âge, c'est toujours utile. Donc je vais me mettre en embuscade avec elle ici. Puis j'ai eu beaucoup de bots aussi, tu sais qu'ils ont fait des faux follow, tu vois. Donc c'est un petit peu pour ça aussi. Je vais me mettre en camp là. Est-ce que je peux encore améliorer la forge? Oui. Allez, on va buffer notre deuxième horde. Donc là, on va laisser crever cette armée d'élite pour tranquillou. J'aimerais tellement qu'il y ait un tremblement de terre pour prendre 3. Comme ça, je pourrais faire le successif, mais bon, pour le moment, c'est pas encore envisageable. Donc là, je vais juste les laisser mourir tranquillement. On n'a pas de pitié, ils n'ont pas eu de pitié pour nous, les Troyens. Alors pourquoi on devrait en avoir pour eux? Est-ce qu'on peut faire autre chose à l'heure actuelle? Non. Nos initiés ne peuvent pas grimper de rang ici. Je comprends, pas de soucis, mais c'est lourd et tu es le seul, mais bon, je m'appuie régulièrement sur sa boutique et sur sa commune comme bon lui semble. Après, je fais pas, tu sais, il y en a, ils font des trucs, genre, ils sont plus petits que moi, et c'est genre, ils font des chats réservés followers, au sub, mais ça déjà, je le ferai jamais, parce que je trouve ça débile. Je vois pas l'intérêt de faire ça, mais bon. Mais bon, ça, ce qui s'est passé surtout dernièrement m'a fait penser que, tu vois. Ok, donc là notre full cave est en train d'assiéger Dardanos Pénard. Mais bon, merci en tout cas de jouer le jeu, quoi. Ça fait toujours plaisir de la compréhension des viewers, ça fait du bien, quoi. Des fois il y en a qui ne sont pas très malheureusement compréhensifs, mais bon, yes, absolument. Comme dirait ma grand-mère, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs pots. Bien. Bon, Dardanos, ils sont en train de canner, c'est bien. Alors lui, il est en train de tout recoloniser, bah tant mieux, comme ça. Chut. Si jamais il y en a un qui tente un truc dans le dos, bah on sera fixé. Donc lui, il nous propose un pacte d'engraçure, mais c'est non. Non, bien sûr que non, ce quoi, je me permettrai pas. Ah, ça y est, tout le monde a commencé à s'unir, c'est bien. On sent que ça va être une fin de campagne épique. On va continuer de les laisser canner. Allez, forge à fond. Comme ça, on est bon. Elle pourrait les prendre timbrés facilement, en vrai, quand on y réfléchit. Allez. On va faire une petite bataille de prise de ville. Bon, on voit le ratio, mais bon. Allez, on ouvre des hostilités avec les cavaliers de Sirène. Donc, qui n'a rien à voir avec la province de Sirène.
Ah bah voilà, ça c'est très bien. Bon, il y a quoi qui va être pénible? Les deux lanciers, les archers, bon, on va aller vite les gérer. J'ai 6 tirailleurs, donc je pense que ça devrait aller. 3 cavaliers, j'ai les haches prêtes à dégommer les grosses armures. Donc on va voir comment on va réagir notre adversaire. Je vais pas te sortir la référence, je suis trop vieux pour ces conneries, Squash. Hein. Je pense que tu l'as. La référence cinématographique. Bon, déjà, on va envoyer un petit peu nos javelinières harceler un petit peu ce qui se passe devant. Déjà, c'est des lanciers de base, donc ça devrait aller. Ouf. Bon, déjà, les haches phrygiennes, elles vont se faire découper au javelot. Oh là là, le beau harcèlement là. On repérait des ennemis dissimulés. Où ça, ici? Ouais. Voilà, là on est en train de les rendre fous. Bon, c'est bien ici, ils ne reviendront pas. L'autre régiment de lanciers est en train de venir, ça m'arrange. Allez. Puis bon, en ce moment, je pense qu'il n'y a plus personne qui fait du troll. Bon, parce que ça attirait pas les gens, j'ai l'impression. Bon, il n'y a que les Warhammer 2 qui fonctionnent. Bah, tant pis, mais bon. C'est dommage. Mais bon, je vais terminer cette campagne, après je verrai ce que je vais faire. Là, je ne serai plus de total, je pense, avant l'année prochaine. Il y a d'autres gros jeux qui vont arriver. L'arme fatale, c'est ce qui te plairait pour ce combat, absolument. Donc j'ai pas eu un jeu vidéo sur l'arme fatale, je sais pas s'il y en a peut-être eu avant, je sais pas, sur les anciennes consoles, mais ça aurait été rigolo. Donc là, le premier lancier va tomber, logiquement. Les escarmoucheuses ont fait l'eau, je vais essayer de pousser dans la ville. Le deuxième régiment de lanciers est en train d'arriver, c'est très bien. Ah, il lâche pas, c'est bien. Feu à volonté. Bon. Oh, mais c'est bien. Amenez-les-moi, là. Oh, là, il y a des hacheurs, donc ils n'ont pas de bouclier, donc ça m'arrange. Je vais reculer. Oh, en plus, derrière les archers, donc si je... Et c'est des frondeurs troyens qui viennent pour nous, c'est bien. Quel comité d'accueil. Oh là là. Ces dames sont reçues comme des stars. Attention, on va se faire accrocher. Non. Ah, on a perdu une cavalière, ça va, c'est pas grave. Allez, contre-tire. Allez. Viens là, toi. Bon, là, les haches, elles sont en train de partir en déroute, c'est très bien. Maintenant, les frondeurs sont les prochains. Je vais peut-être tenter une petite charge, tiens. C'est des frondeurs, j'ai de la cavalerie de javelot. Allez, hop. Ça repart, d'où ça vient. Là, je fais en sorte que les lanciers soient complètement détruits avant de lancer, d'avancer. C'était la deuxième unité de la garnison, donc logiquement, ça devrait être bon. Alors... Eh, elles sont pas dégueulasses en attaque. Hein. 63 d'attaque hein, pour des escarmoucheuses des javelinières, c'est excellent. Donc ils ne reviendront pas. J'ai commencé à déployer l'infanterie de hache par ici en renfort. Les cavalières
Hop. Bon, maintenant on va faire le tour ici avec la cavalerie. Oh, il y a un jeu qui date de 93. Ah bah tu m'as appris quelque chose. Bon, on va reculer, hein. On va envoyer l'infanterie lourde découper tout ce petit monde. Et hop. Oh, ça craque déjà, mais on n'a même pas commencé. Mais c'est une blague. Salut, salut Mitrandir, salut, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe, Mitrandir? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est d'arriver sur le stream? Donc il nous reste encore deux archers là-bas en réserve, dont le capitaine. Bon là, on va laisser les archers s'occuper de ces messieurs. Plus de montants, absolument. Moi je suis né l'année suivante, je pour te faire court. Comme ça tu pourras estimer mon âge plus facilement. Bon là ils reviendront pas. Je vais envoyer peut-être les initiés se faire les derniers ici pour pexer un peu. Là on va avancer avec les autres escarmoucheuses. En vrai le full cave c'est pas dégueulasse je trouve. Oh, ils en ont tué un. Oh. Allez, tue-moi ces hommes. Tue-moi ce petit groupe d'hommes de survivants jusqu'au dernier. On va commencer à pilonner. Hein. Oh, ils ont plus de morale. Je crois que là, on a fait tellement mal à leur armée que le moral est en train de craquer totalement. Ah, tu pouvais pas envoyer un message sur le chat? Comment ça se fait? J'ai dû faire un truc qui allait pas. Alors, si tu me dis. Si tu n'y arrivais pas, c'est pas normal. Normalement, tu peux. En fait, j'ai mis une double authentification, tu sais, par rapport à ce qui s'est passé avec Twitch. Mais bon. Après, je sais pas si c'était lié au refresh ou à ça, donc on va voir. Voilà. Après j'ai mis une double authentification sur le compte aussi et tout, pour éviter des hackings ou je ne sais quoi. Bon c'est bien, 7 personnes, 7 soldats tués, ça va. Et là, je vais aider la horde. Je vais faire... raser et asservir, je vais faire ça. What a great feeling. We are the future. Allez, rang 11, je vais partir sur quoi? Ah oui, je lui ai mis ça, ok. Les cavaliers, j'ai mis ça. Traquer, ça peut être marrant. Avant-garde, j'aime pas. Mais traquer avec de la cavalerie, pourquoi pas? Tiens, ça pourrait être marrant. Donc là, il reste que 3 à aller chercher. Mais pour moi, il n'y a pas eu de tremblement de terre, malheureusement. Ce qui m'embête un peu. Donc là, on continue d'assiéger tranquillement. On les laisse mourir. Et je vais essayer de revoir... J'essaie de revoir ça, les gars. Pour la prochaine fois, je suis désolé. Je pense que... bon, j'ai du mal à configurer quelque chose. Donc on a 96 colonies, on sera 97, 98. Les 100 colonies, on les aura ce soir quoi qu'il arrive, je pense. Hein. Mais je sais pas si on peut avoir un tremblement de terre pendant qu'on assiège une colonie, vous voyez. Lui me propose un traité pour de la bouffe, bon, va pour ça. Massacre.
Bon, on continue, hein. On va continuer à les faire descendre jusqu'au bout. Juste pour leur faire comprendre que c'est ici, c'est nous les chefs. On pourrait aller à Imbrasos aussi, tu me diras. Alors, la croissance de l'ordre, faut que je me rappelle où est-ce qu'on la voit déjà. On la voit là, donc au prochain tour, on aura 4 surplus. Est-ce qu'on pourra faire quelque chose pour 4 surplus de population? Ok, il nous faudrait 5. On pourrait faire des archers, tu me diras aussi. Voilà, on part sur ça, mais bon. Je pense qu'on va partir sur les esclaves capturés. Bon, on va perdre 100 de bouffe jusqu'à 300, mais 11 de croissance, on va la faire monter. Ah, j'ai eu un message de loup. Ah. This is it. Embrace your doom. Ah, j'ai eu un mécontent, je vais pas dire qui m'a un petit peu qui a un peu râlé. Bon, je vais corriger ça à la première VOD, vous inquiétez pas parce que je vois que ça râle. Même si bon, on pourrait faire un peu preuve de respect dans certains propos. Pas vous, je parle pas de ceux qui sont sur le chat hein, ici, attention. Don't hold back. Kill the lot. We can take them. Ok, bon, paix avec Ajax, oui, pour le moment. Non, je parle pas de toi, Squatch, t'inquiète. Oh là, il est en train de recruter une armée à 3 Paris. Ouh là là, attention. Bon, ok. Ça va être la fin des, l'armée d'élite à Dardanos. Comme ça, on va régler. Donc une colonie en moins. Voilà, on va raser et tuer. Je vais mettre en avance ici. Et avec la deuxième armée, je vais tenter d'assiéger 3. Même si c'est pas l'armée la meilleure du monde. Hein. Comme ça, ça empêchera Paris de recruter. Ouais, on va faire comme ça. Bon, là, on va se reformer petit à petit. Ce qui fait qu'il nous reste plus que 3 colonies rasées différentes. De toute façon, on va aller par là. Hein. On va faire comme ça. C'est le plan, ça va être comme ça. Imbrasos. Il faudra aller à Myrina, malheureusement. Et ensuite, on remontera comme ça. Et après, on se débrouillera pour descendre en Grèce. Faire du tourisme. C'est bien le tourisme, hein. Oups. Exact, ils vont perdre leur mécontentement dans ces dictatures imposées par rapport à 24. Oh, sinon il y aura le supplice du pâle hein, ou du pieu, hein, c'est au choix. Ah, ça sort. Ils sortent. Eh ben, allons-y. En plus, ça a l'air d'être ouvert et il a quoi en garnison? Ah, lui, pareil, ça a des princes troyens, ok. Bah, ça en vrai, ça se tente, hein. On a la mobilité pour, les trucs qui vont être chiants, c'est les chars, bien sûr. Après, on a les haches pour dégommer ses troupes de lanciers. Ouais, allez, on va la tenter. Hein. En plus, on a 8 caves. Donc, si on joue bien avec nos caves et nos javelignons, on pourrait les mettre à mal tout de suite. Les haches contre leur,
leur lancer on devrait s'en sortir, je pense. Ah, on va tenter. Hein. Alors, traquer, ça donne quoi? Je sais plus. Traquer. Elle peut se déplacer. Oh, c'est-à-dire que mon général peut se déplacer furtivement sur n'importe quel type de terrain. Oh, c'est génial ça! L'ennemi reçoit des renforts. Bon, on va avancer. On va commencer à harceler un peu. Là, si on tombe par ici d'entrée de jeu, ça serait génial quoi. Voilà, on va envoyer toute la ligne d'infanterie. D'abord, ça nous fait 4 et 7, 11. Paris, il est pas très rapide, donc on va essayer de jouer sur ça. La cavalerie, on va essayer de provoquer pour voir comment ils vont agir. Allez, on va tenter de faire tomber Paris d'entrée de jeu, comme ça on sera peinard. Il est là, Paris. Allez. C'est bien. On va faire de l'exercice à Paris, hein, au grand maigrichon, là, à Orlando. Allez, Orlando. Ouf. Ouais, ils ont un bon moral quand même, hein. On va essayer d'harceler les chars, on va voir ce qu'ils font. Par contre là, je vais peut-être me mettre en ligne avec mon infanterie ici. L'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Attention, oulala, oulala. Alors là, oh, j'ai oublié la cavalerie là. Aïe, aïe, aïe. Par contre, on va tenter une charge ici sur Paris pour essayer de l'exploser. Allez, allez, allez. Ouh. Oh, comment il a volé Paris. Oh, c'était beau ça. Oh, les chars y repartent, mais ils sont en train de se faire démembrer. Par contre, là, toi, tu vas reculer. Ouais, reculer, reculer, ça devient mauvais là. Toi, tu viens là, vous reculez. Oh, j'ai oublié une cavalerie, pas bien ça. Il y a plus de 4 archers et il y a encore la vie. Un truc de dingue ça. Bon, on va tenter d'envoyer champion. Ouais, bon, là c'est une unité d'initié qui craque, fallait s'y attendre. Je vais tenter un contournement avec ma cave. Bon là les chars sont bien amochés ici pour la plupart. On va tenter un contournement. Derrière. Oh le. Il y en a un qui vient de canner là, c'est cool. Lancier, vous venez là. Vous renforcez ici. Toi tu viens par là pour renforcer. Donc là la plupart des chars sont hors d'état des murs. Donc là on a un ralliement, c'est bien. Là, il y a un des commandants de garnison qui a complètement craqué. On va essayer d'apaiser où on peut. Ça, par contre, ça, c'est moyen. Les chars nobles de Troie, c'est les plus puissants. Oh, par contre, là, qu'est-ce qui bouffe en arrière? Ah, là, il y a des trucs qui craquent, c'est bien. Faudrait essayer de faire tomber Paris. Donc, tout le monde est sollicité ou pas?
par Ares, vos guerriers se rallient. Ah, il veut pas mourir par Ares encore, hein. Bon, là, c'est bien, on a libéré. On va essayer d'aider ici. On va essayer de venir aider par là parce qu'il y a du petit, il y a du monde. L'un des chars ne reviendra pas ici, c'est cool. Voilà, là ça va être le zbeul. C'est du prince troyen, je rappelle, hein. C'est pas du petit archer d'amateur. Hein. Voilà. Tenter une grosse charge ici. Bah alors, Troy, qu'est-ce qui vous arrive? Par contre, faut empêcher lui de se reformer là-bas. Hein. Oh là, il y a un gros. Il y a du kill à faire. On va ramener tout le monde. Ont été mis en déroute. On va reculer là parce que ça commence à faire beaucoup. On va reculer ici aussi. On va refaire une charge. Donc elle, les assermentés vont les poursuivre. Donc toi tu viens là. Là ça commence à craquer de partout. Je pense qu'on commence à voir le bout du tunnel. Ouais, il faudrait essayer d'abattre Paris et là le moral devrait commencer à tomber. Et là il y aura une... Voilà. Là je pense que le moral ça va commencer à donner. Voilà. Oh, ça craque de ouf. Je crois que là c'est 3, c'est plié là. Par contre j'ai essayé de faire la poursuite pour éliminer le plus d'unités possible. Parce que là si 3 tombe, on est bien. Bon, c'est bien, on a fait plus de dégâts ici. Là, on va essayer de faire en sorte que les unités ne se reforment pas tout, du coup tout, comme ça, on sera sûr. Bon, on a réussi à prendre le contrôle du terrain, en fait, ça nous a mis bien. Et le fait d'avoir harcelé d'entrée de jeu Paris, ça nous a bien aidé aussi. Hop, un champion troyen de moins. Un prince troyen, on va le détruire, comme ça, régiment en moins encore. Bon, je pense que globalement, là, le 3 devrait être prise rapidement. Voilà, bon, victoire de justesse, mais bon. On a perdu 400 Amazon. Oh, ils sont plus que 96. Ah oui. Ah oui, quand même. On va prendre les 8% de reconstitution. Donc là, le problème, c'est que notre armée a mangé. Ok, les abords se rejoignent à la fête. Les Irtacidions nous lâchent. Ils se nissent contre nous. Ok. Nos Amazones sont enhardies. Momonus est de retour. Allez, toi. Parfait. Excellent. On peut avoir des unités de Hippomakoi. Génial. Allez, rang 12. Ouais, ça a été un carnage, hein, littéralement. Alors, avec elle, je vais partir sur quoi? Je vais faire de la terreur aussi. Je pense qu'avec les Amazones, il faut beaucoup jouer sur le moral aussi. Bon, on va devoir peut-être faire la bataille aussi ici, d'accord. Bon,
On va poser le siège quelques tours. Avec Momon, je vais rester dans le coin et je vais commencer à partir vers mon antagoniste. À savoir lui là. Salut Momon, comment tu vas l'ami? Bienvenue à toi. Bon, apparemment mon système de pour le chat ça en a fait râler. Ça vous a fait un peu râler. Bon, j'essaie de revoir ça. Il nous reste 30 minutes. Bah écoute Loubou, si t'es pas content, je suis désolé. Bah je vais changer ça, mais si t'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Là, j'en ai un peu marre là. Écoute, bref. Je vais changer ça, donc il y a que celui qui fait rien qui fait pas d'erreur. Je voudrais bien vous y voir streamer. Hein. Vous êtes gentil des fois, mais dans vos propos. Bien, bon. Ok, donc là on a 4 unités, on va faire 4 tours de siège. Ouais, c'est bizarre ça, je vais corriger ça, vous inquiétez pas. Dans 25 minutes. Je mettrai le petit break. Oui, bon, là, la paix à 3400 pièces d'or, merci, mais non merci. Et donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end, autrement. Ouais, mais bon, Loubou, tu pourrais dire, t'es un peu plus respectueux, je sais pas, dans dire que c'est de la merde, c'est un peu moyen, quoi. Bref, je vais passer à autre chose. Ah bah, Momon, je crois que t'as trouvé un sacré rival, hein. C'était Twitch. Ah. Bon, on va... Je vais regarder ça me paraît bizarre. Il y a dû y avoir un truc qui est pas passé. J'ai pas compris, je vais regarder. Bon. Pente va poser le siège à Imbrassos en attendant. Ensuite. Oh. Ok, il y a Diomède qui a Polichini. Il est en train d'attaquer là, mais justement, Diomède, on va le faire un peu... circuler, il n'y a rien à voir, vous voyez. Donc, alors attends, on a pas de bélier encore, on est d'accord. Donc, on va envoyer des unités de lancières pour prendre le bélier, rentrer, et ensuite on explosera 3. On va raser, on va partir. Oh, attends, les décrets, je sais même pas où j'en suis niveau décret, moi. Ah oui, j'ai tout fait, c'est vrai. Oh, Argos a pris 20 colonies. Alors, attends. Il y en a 3, 2 et 3 font 5. Est-ce qu'ils sont partis en Crète? 2 et 3 font 5. 3 font 8. 8, 9, 10, 11, 12. Alors, attends. 8, j'avais dit. 9. Ouais, non, t'inquiète, Swash, mais bon, il y a juste des fois, il y a des trucs avec tout ce qui se passe, c'est agaçant, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, il commence à s'étendre ici, dans le nord de la Grèce et de la Thrace et de la Thessalie. Très bien. Très, très bien. Bon. Allez. Imbrassos, on va faire le carnage. Ah, ok, je comprends mieux. Bon. Hector est en arrière, attention. Beware. Je crois que j'aurai une unité de hache sur le mur. En vrai, vous aurez eu les deux assauts de 3 avec la. Comment j'appelle ça? Avec la ville qui était à plein potentiel niveau fortification. Ça, c'est con que j'y arrive pas à avoir le palladium ou le séisme, quoi. Pour le moment, j'arrive pas à avoir cette chance-là. Mais bon. 54 000 de bouffe. Bon, allez, va. Le 54 000... Ah non, c'est l'inverse. Merde.
Ah, on va les détruire les Troyens et on va s'occuper de Diomède après, c'est le prochain sur la liste. Alors j'ai un bélier sûr, dans deux tours j'aurai la tour en mode cheval de 3, ce qui est génial. Donc là on va assiéger tranquillement, on va les laisser crever. Là j'ai l'impression que notre ami Diomède est en train de se refaire une santé, c'est un peu désagréable, mais bon. Oh là ça va être deux cibles faciles après là. Ok, deux tours. Et je vais faire une petite hécatombe à un dieu, tiens, qu'est-ce qu'on a comme dieu? Ça c'est pas utile pour les constructions. Le recrutement pour le moment c'est pas la peine. Je vais faire une prière à Poséidon. Puisqu'il en a qu'une armée avec beaucoup d'unités de cavalerie. Ah, nos deux hordes sont full cavalerie quasiment. Et je vais faire aussi pour une hécatombe. Voilà. Et ça peut nous donner des petits bonus, c'est tranquillou. Au moins il va au médecin, c'est ça. Par contre, maintenant, tu t'es refait retaper hein, par un truc. Tu t'es refait péter la gueule par un super agent. Je sais pas si c'était un 007, mais c'était un super 007, là. Là, je vais voir un petit peu. Bon, on va se détendre un petit peu. On va essayer de se détendre du slip. Bon, lui au nord qui nous fout la paix, c'est bien. C'est ce que je veux. Oh, attention. Attention aux missiens, là. Donc santé, toujours avec modération, bien sûr. Graia et Cassiopée ont été rasés. Ah ouais. Par qui? Tu vois que c'est Sparte. Ah ouais, Sparte, ils sont en train de se refaire... Ok, bon, prochain tour, j'espère qu'on pourra y aller. On va raser 3 ici. Bon, là, c'est bon. Ah bah, enjoy le whisky, Mitrandir, toujours avec modération, je vous rappelle les amis. Hop, la cité des villes d'Imbrassos vient de cramer, mais quand je dis cramer, littéralement. Ouh, il y a du peuple là, on va se planquer. On sait pas des grosses armées menaçantes, mais quand même, méfiance. Non. Et au prochain tour... Au prochain tour, assaut sur 3. Go. Ah oui, modération, il est très inconnu de nos services. Donc, on a plus que deux colonies différentes à raser. Le seul modo ici, c'est Momon, c'est ça. Et c'est vrai en plus. Bon, pour la chaîne, je pense que pour moi, un modérateur suffit. Je pense que, à mon avis, si j'étais à 500, je pense que je prends. Enfin, ma conception. Bon, je suis loin des 500 sur Twitch, je sais, mais je partirais sur deux modos. Et si j'étais à 1000, je partirais sur 3. Je pense qu'il faut se donner des petits paliers. Ne pas oublier que la guerre de 3 n'aura pas lieu dans le monde Girodo. Exactement, Squash. J'en avais entendu parler en licence. Mon petit regret, c'est de pas avoir l'occasion de l'avoir lu encore. Bien. Allez, prochain tour, on y va. Mais là, les ennemis vont commencer à se... Les Amazones vont commencer à faire... On va devoir faire gaffe quand même, parce que là, il y a trois armées. Bon, je sais... C'est quoi? C'est 10, 19, mais ils prennent de l'attrition, déjà. Ah, ils ont repris Saos. Bon, changement de programme. Ils ont pris Saos. Donc là, on va les raser, Saos. Tiens. Ou alors, je vais raser le sud et je remonte. Je peux faire ça aussi, tu me diras. Ça me semble pas être un mauvais plan. Avec l'Ajax, c'était la guerre d'Attique. Absolument, et c'est ça le pire. Ouh.
Ok. Ok, il va y avoir une grosse bataille, hein. Bon, javeliniers sur les haches et les lanciers dans le dos, et le reste on détruit. Par contre, là, faudrait que Paris, toutes les troupes de la garnison, elles meurent, là. L'ennemi reçoit des renforts. Allez, on va aller jouer un peu avec nos ennemis. La cavalerie, on va la mettre ici, on va essayer de les attirer. On va essayer de viser leur général déjà. C'est quoi qu'il a? Des guerriers à l'âge. Donc là ils vont arriver, en plus ils sont, oh l'erreur, ils sont en marche forcée, regardez-moi l'état de fatigue déjà. Ça s'annonce mal pour nos ennemis, hein. J'ai quand même poussé avec mon infanterie. On va essayer d'abattre ce premier général, bon il a déjà perdu un groupe d'hommes. Ou viens, on charge, vas-y. Mais bon, après, il y a les lanciers derrière, c'est ça l'ennui. Ils sont nombreux. Oh, du tonnerre. Le tonnerre de Zeus. Nom de Zeus. Tu veux venir? Bah vas-y, allez, venez. Allez. Toutou, toutou. Pour ceux qui ont déjà vu la charge du Rouen, là, c'est la charge des Amazones. Alors on va reculer tranquillou. On va essayer de les diviser. Après tout, il y a le dicton diviser pour mieux régner, n'est-ce pas? Infanterie, cavalier. L'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Allez, on charge, on charge. On va essayer de les encercler, mais bon. Les haches, vous allez rentrer dans le tas des lanciers qui arrivent. Ils sont assez nombreux. Votre héroïne se fait attaquer. Allez. Donc là, c'est bien. Les premières unités vont commencer à craquer. Là, on va essayer de les tenir. Attention là. Attention. Les lanciers, vous allez venir par là. Vous allez replier, reculer. Oh, là, ça peut vite tomber. Je vais tenter une petite charge latérale comme ça. Il manque des éléphants pour concurrencer le rang de CG. C'est vrai. Des maquilles exactement. Voilà, c'est bien. Là, ça craque, là, ça craque. On va venir aider au centre. Voilà, bon, on sait bien, on est en train de les attirer un peu. J'ai oublié personne. Ah, si, là. Et je peux pas faire sortir cette unité à cause du provocateur, c'est ça? Bon, ils nous courent après, mais ils sont complètement KO, c'est bien. Donc vous, on va avancer au centre ici. Vous... Oh, les lanciers qui craquent ici, ça va libérer un front, ça. On va essayer d'empêcher cette cohorte de la mise de se reformer. Ici, on va faire ça. Ici, on va faire ça. Oh la vache, oh ce... Et là, c'est beau. Ce qu'il y a de beau, c'est que toutes leurs haches sont complètement désorganisées. Donc, faut faire gaffe quand même. Et là, nous, on pourrait faire une grosse charge ici. Attention, char lourd troyen derrière, bien sûr. Ouf. Attention, recule. On se remet là. Toi, tu reviens là. Vous, par là.
On va se flanquer comme ça. Là, c'est fait, c'est plié. Bisous. Rentre à la maison. Toi, abattez-le. Vous, par là. Bon, là, c'est bien, c'est bien. Ça pousse. Toi, tu viens là. Ici, ça se passe comment? C'est plutôt pas mal. Là, on est en train de faire un gros truc. Par contre, là, ça se passe un peu moins bien. On va aller chercher là. Vous parle. Oh là là, le flanking qu'il va y avoir, ça va être violent là. Attention. Un joli full cave. Excellent. Aristoche, il est passé de vie à trépas. Par contre, il faut qu'on détruise en priorité les guerriers de la garnison de Troie. Si on détruit complètement la garnison, on est bon. Si on détruit la garnison de Troie jusqu'au dernier soldat... Ah, ils sont là, regardez la preuve en parlant d'eux. Les lanciers lourds de Troie sont là, on va les chercher dans le dos. Là, on va essayer de les faire craquer complètement. Après, on s'en fout des missiens là, parce que c'est pas eux la priorité là, encore une fois. Ok. Maintenant, on va faire en sorte qu'ils ne reviennent pas. Les chars ont l'air d'être complètement anéantis. Allez, on les tue jusqu'au dernier. Une de vos unités n'a plus de munitions. Allez, lancez lourd de 3. C'est bien, c'est bien. Normalement, ils ont plus un survivant des je parle des Troyens purs, hein, attention. Ok, c'est plié. Normalement, aucun Troyen de la garnison n'a survécu. Ouais, là, ça a été un carnage, mais sans nom. Hein. On peut voir les stats. Et en plus, c'est notre seconde générale. Hein. Bon, là par contre, on va reprendre. On va prendre ça. Troie est tombée, je vous l'annonce, messieurs, dames. Mon menu 07, félicitations. Hop, je vais me mettre en camp. Toi, un moment, tu vas vite te replier. Alors, je fais quoi? Je vais partir sur des Fidares. Je voudrais une infanterie de choc quand même pour tenir la ligne. Donc, premier objectif atteint pour la victoire Total War, les trois villes de Razé. Qu'il fallait, Troie, Mycène et Knossos. Maintenant, on va les raser. On va se rendre à Savos pour raser la 100e ville du truc. Après, on va les raser ici. C'est obligatoire parce que on veut pas qu'ils reforment des armées ici. Hein. Bon. En tout cas, cette campagne, ça aurait été vraiment le... Pour moi, là, sur Troïd et toutes les campagnes que j'ai faites en stream et en solo. Bon, j'en ai pas fait beaucoup en solo. J'en ai fait qu'une. Pour moi, cette campagne, c'est la campagne de Pentessier qui l'emporte niveau fun et tout. Rien qu'avec le full cave, c'est rigolo, quoi. Faudrait que je le fasse un jour sur un autre opus, un full cave. Bah, avec Attila, je pourrais le faire, tu me diras. Je l'avais pas fait en vidéo. Après, j'ai fait les Romains, les 1 d'Attila.
Si tu crois que je vais baisser mon froc, c'est mort. Hein. Bien. Bon, là, on va faire un petit assassinat à 92%. Parfait. Et derrière, ils prennent des pertes. Alors, ça donne quoi si je fais ça? C'est une blague? Bon, allez. Je vous annonce que la centième ville va tomber, les gars. Parfait. Voilà, deuxième objectif d'atteint. On va faire une petite embuscade si tant de recoloniser. Toi, je vais te transformer en furie. Toi, en Hippo McCoy. Rome 2 avec les parts, tu peux le faire avec les, tout ce qui est nomade aussi, Momon Sith, Roxolan et Massagette, je crois. Mais qu'avons-nous là? Bon, on va se rendre à Polyoshni ici. Comme ça, on va raser les deux. Et là, je me demande ce qu'il va faire avec son armée. Est-ce qu'il va venir directement recoloniser? Voilà, là, on va tomber dessus. Après, il faudra redescendre aussi. Alors, pourquoi pas, avec cette armée-là, je fais ça. Et je descends tout de suite sur les possessions dans les îles, quoi. Ah, il s'est barré à Thasos. Donc là, on a complètement mis à genoux les Troyens, c'est beau ça. Bon, va pour 200. Lui, je m'en fous. 13 N, c'est pas celui que je veux. Donc, toi, là. Tu t'en vas. Panté, on va l'envoyer tout de suite à Thasos, vu l'armée que j'ai vue. Ah, ils auraient... Oh, ils sont en train de... Oh non, ils vont être chiants, eux. Ok, je vois. Il y a une armée ici à aller chercher. Et ici... Bon, on rase. Pas de questions à se poser. Voilà, tu rentres chez toi. Renommée étendue, ça c'est bien, ça va encore la rendre plus forte. Sap et audace. Prochaine étape, Myrina. Elle, on va tout de suite la mettre aussi en Phidarès. Je crois que ce sera bon. Ah, on peut améliorer certaines de nos chasseresses. Oh. Ah oui, c'est vrai. Elles ne sont pas toutes en 5, excusez-moi. 5 chasseresses montées dans cette armée, ça va être beau aussi, ça. Bon, alors on démarre, mais elles sont plus fortes encore. Maintenant, il faudrait voir ce qu'on pourrait faire d'autre. On va faire ça pour plus de reconstitution, ça aura son utilité aussi. Hein. Une heure qui a une meilleure reconstitution, c'est un meilleur taux de survie. Donc on va surveiller ce que fait cette grosse armée. Ah, ils ont eu quelque, ils sont pour quelque chose là. Bon, on va aller taper l'armée quand même. Donc là, ils sont bien implantés en trace, en fait. C'est ça le problème de Diomède, alors on parle. C'est juste ça. Si on les dégage de trace, on pourra les descendre tout de suite en Grèce. Il faudra faire gaffe aux armées sur la route, hein, parce qu'on va avoir du défi, croyez-moi. Ça a piqué, ça. Enfin, pour qui? Ça dépend pour qui ça va piquer, on est d'accord là-dessus, hein. Voilà. Thasos.
Désolé, hein. Voilà, on enchaîne. On a un programme chargé, vous savez, avec les Amazones. Ok, maintenant la prochaine étape, ce serait d'aller chercher Abder. On va aller chercher Abder, comme ça on pourra tomber comme ça, comme ça. Et pendant ce temps, à Myrina, alors la horde de sirène, elle va faire son boulot. Plus 8 de dégâts pour ça. Et je vais mettre ensuite arme supérieure pour les quelques haches. Rien que pour ça, ça va être monstrueux. Est-ce qu'on ne perdons pas d'unité, j'espère? Ah, ça va. Excellent. Voilà. Et toi, furie aussi. Et elle, chasseresse montée également. Parfait. Bon. C'est pas mal. Maintenant, on va faire ça. On va aller chercher ici. Et on va aller descendre plein sud. On va faire ça avec la deuxième horde. Pendant que Panthère, dans le nord, va nettoyer. Donc, je passe juste le dernier tour. Enfin, le dernier tour, on va voir si c'est le dernier tour pour, cet épisode. Parce que là, à mon avis, si on trace comme ça, on va plus trop avoir de défis. Hein. Ah, félicitations, Loubou, pour ta victoire Total War et Omérique avec la Hippolyte. Ça devait pas être évident, à mon avis, hein, vu ce qu'on disait déjà dans le passé. Ah, Trazen revient. Bon, c'était trop beau pour durer. Je méfie-toi, Mitrandir. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On a vu que l'IA, ce qu'avait fait l'IA avec Hector, des fois. Mais bon, si déjà le plus dur, là, ce qui va être le plus chiant, entre guillemets, c'est de dégager. Diomède des îles et tout. Hein. Il y a juste ça de relou. Je vais me mettre là en camp. Alors, et toi, tu vas... Et je vais mettre Sirène en route pour... pour Oloxophie, là. On va se mettre là, on va espérer qu'on prenne pas trop de pertes maintenant. Bon, ça va. Il y a plus de dégâts pour les haches. Bon, on est plutôt pas mal là. Il nous reste combien de... Il nous reste... Oh, Argos a commencé à reculer. On doit piquer 4 colonies. Là, dans le nord, ça va commencer à piquer aussi. Parce que la grosse concentration aussi va tomber. Avec Panthé ici. Elle là qui va faire ça. Qui va redescendre ensuite sur ses positions. Et ici. Et après, ça devrait être bon. Voilà. Donc, voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo de YouTube. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.